On est en train d'attendre ce qu'on a commenté. Et voici Marie-Annie qui apporte ça. Les gars, vous savez, certaines vidéos, je sais que ça va me créer des problèmes. Mais seuls mes abonnés savent que les problèmes ne font pas peur. Surtout quand on doit partager des concepts qui décomplexent. Des concepts qui nous font un peu sortir de notre attitude un peu bizarre. Là maintenant, je suis à Cotonou. Oui, je suis revenue en Afrique. L'Afrique. Et je vais vous faire l'introduction d'un business créé par deux jeunes béninoises qui font... deux jeunes béninoises qui parlent de choses taboues. Franchement, il faut pas que je parle. Je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. Let's go. Bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui veut faire grossir ton compte bancaire. Même devant Isette. Les gars, je vais vous introduire un concept tellement original. Là je vais tourner la caméra pour que vous voyez. Ok. C'est sur une petite surface et ce qu'ils font sur cette surface, ce sont des merveilles. Attention à ce que vous allez voir. Attention à ne pas vous laisser dévier par le visuel, les gars. Ok? Donc ici, c'est quoi en fait? C'est un tout petit restaurant où ils permettent aux couples de se rapprocher et ils permettent également de décomplexer les Béninois. Là, la proprio, normalement, ou une des promotrices n'est pas là, mais ça se peut qu'elle vienne. Elle n'est pas supposée savoir qu'on va faire cette vidéo aussi parce qu'on est venu ici hier, on a testé le concept. Et j'ai adoré. Donc, on va aller directement chez cette fille-ci qui va nous expliquer ce qu'ils font ici exactement. C'est quoi le menu. On va passer la commande et on va goûter ça ensemble. Voilà. Madame? C'est bon? Oui. Hello. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va. C'est quoi le prénom? Marie-Annick. Marielle? Marie-Annick. Marie-Annick. Ah! Marie-Annick. Ah, original. Ok, donc Marie-Annick, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous faites quoi exactement? On fait des gaufres en forme particulière. Ah, gaufres en forme particulière, ok. Des gaufres en forme de kékette et de foufou. Kékette là, c'est quoi même là? Je vais vous faire dire des choses que vous ne voulez pas dire. Bon, on se comprend, je ne vais pas la mettre mal à l'aise. Hein. Ok. Kékette et foufou, ok? Oui, on a les gaufres salées comme sucrées. Ah, salé, comme sucré. Salé et sucré. Oui. Quéquette sucrée ou quéquette oui, salée. Voilà. Ok. On a aussi les nénettes. Nénettes. C'est-à-dire les seins. Ah, ça, j'ai pas, vu, j'ai pas vu ça quand je suis venue ici la dernière fois. Nénettes, ok. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut voir le menu? Évidemment. Là, pour donner une idée aux gens, à quoi ça ressemble. Voilà. Là, par exemple, c'est le Sugar Daddy. Ah, Sugar Daddy. Il y a même son Pro les Max. Les abonnés là vont devenir fous. Pro Max. Oui. Donc... aïe, aïe, aïe. Pro Max Sugar Daddy. Ah oui. Ok. On a le Sweet Bangala. Sweet... à quoi? Le Sweet Bangala. Vous avez... je pense qu'on va blurer le truc Sweet Bangala, ok? Voilà. On a Tenu Tela. Ok. Et c'est composé, c'est Nutella, c'est-à-dire c'est avec du chocolat à Nutella. Nutella, c'est où dans, le, là. Dans la liste là? C'est là. C'est là. Okay. C'est Nutella. Ok. Et c'est avec du pu Nutella. Juste du Nutella? Oui. Ok. Quel est votre... parce que bon, nous on est venu à plusieurs, non, on va commander plusieurs choses. Quels sont les favoris dans la liste? Le Sugar Daddy. Sugar Daddy. Donc, ce sont les Sugar Mami qui viennent ici là. Vous commandez Sugar Daddy là? Non, on a même les Sugar Mami. Il y a Sugar Mommy. Oui, en forme foufoune. La foufoune, il y a la Sugar Mommy, la mentolée, la moelleuse, okay. Le sexy poussy, mais c'est en salé. Sexy poussy. Aïe, 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 aïe. Mais vous, là, vous êtes vraiment osé. Hein. Beaucoup, beaucoup de courage. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter. Oui. On va passer la commande. Oui. Donc, vous avez dit Sugar Daddy, c'est le plus populaire. Oui. On regarde ensemble. Oui. Okay. Nénette sucrée.
dois apprendre les lettres pour mon collaborateur là. D'accord, avec plaisir. Pour moi. Je suis de Bangala. Je suis de Bangala. Oh my god. Elle a besoin de la jeune, on dit c'est pas possible. Tu sais quoi? Je vais prendre un sweet bangala. Celui qui n'est pas content saute et cale en l'air. Ah oui. Ah oui, c'est ça, avec beaucoup de chocolat dessus. Vous allez prendre et votre collaborateur va lécher comme ça. Ah, il va lécher. Aïe, aïe, aïe. Ça prend quoi lécher? Ça prend quoi lécher? Ah oui. Ok, ok. Elle m'a même sucé. Et même. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est l'effet de la caméra qui le fait. Les gars. Nous, on va manger. On va léger, on va sucer. Je pense que lui va prendre plus Nénès. Et l'autre va prendre sexy coconut, là, c'est quoi? C'est la technique avec la pâte chocolat au lait ou noir. Ok. Et du coco râpé. De toute façon, mes abonnés vont bavarder sur la chaîne ici. Que je suis de Bangala. Alors, madame, on vous sert, vous allez goûter pour avoir encore plus de goût. Ok. Ok. J'essaie d'être sérieuse, mais c'est difficile. Aussi, oh, oh, vous pouvez passer la commande, mais avant, j'ai fait des jeux de... De couple. Des jeux de couple. Ok, vous pouvez présenter un ou deux de ces jeux-là. Là, par exemple, Action et Vérité. Oui, pour Vérité. Ok. Qui ose gagne. Ok. C'est pour plus te connaître, hein. Oh, pour se connaître. Plus pour se connaître. Ok. C'est-à-dire, vous avez le dé déjà qui est là. Ok. Que vous lancez. Hmm. Et quand ça tombe sur Action ou Vérité par exemple, vous prenez et vous vous posez des questions. Oh wow, ok, ça marche. Ça marche. Donc c'est pour plus pimenter le couple. Pimenter le couple. J'aime ça, tu vois, parce que tout ce qui est souvent sexuel en Afrique, c'est tabou. Oui. Alors que dans l'ombre, on sait ce qu'on fait. Hein. On a préféré montrer haut ce que les gens pensent pas. Oh, montrer haut ce que les gens pensent pas. Ah ouais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, ok. C'est un peu ça. Okay, on a plein de jeux de couple. Ok, ça marche. Super. Donc, nous, on attend notre nourriture. Ok. Et donc, voilà quoi. Merci. Il n'y a pas de quoi. À tantôt. On va s'asseoir, on va manger. D'accord. Avec mes collègues. Et... Oh, je pense que la proprio est là. Vous êtes chanceux. On va lui parler. Bon, les gars, là, on a pu attraper la promotrice de l'endroit. Ça, c'est super parce qu'on nous a dit que vous ne passez pas très souvent ici. Donc en fait c'est rare de vous avoir. Donc bizarrement on est là, on la trouve. Ça c'est super, c'est super. C'est Cynthia, n'est-ce pas? Bon Cynthia, je sais que vous êtes très très pressée. Donc on va faire ça rapidement. Juste par curiosité, qu'est-ce qui a inspiré ce concept très intéressant ici au Bénin en plus? En fait déjà je ne suis pas la seule promotrice, on okay. est deux. Okay. La seconde s'appelle Aya, elle vient en France. Okay. Donc c'était en vacances. Une fois en France, j'étais en vacances. Elle m'en avait déjà parlé, elle m'avait parlé du concept en France. Mm. Elle m'avait parlé de la possibilité de le faire au Bénin. Et puis on était réticents toutes les deux. Et beaucoup plus moi qu'elle. Du coup, elle m'a emmenée dans le coin qui s'appelle la Cuquetterie en France. Mm-hmm. Et puis on a vu ensemble et puis on a décidé de mettre ça en place au Bénin. Voilà. Ok, ok. Et l'idée était accueillie comment? Parce que c'est un peu osé, hein? Non? Au début... On a pris un an pour mettre en place le projet. On tirait un peu, on était un peu réticentes à cause de la mentalité béninoise. Oh. Et puis on a osé en 2022, en juillet 2022, on a ouvert. Bizarrement, contre toute attente, ça a été vraiment bien accueilli par les Béninois. On a eu quand même tout type de personnes. On a même eu des mamies. Des mamies qui sont venues. Mais les mamies ne sont pas en reste, hein? Non, non. Ah, ça? Donc voilà. Ok, ok. Aussi, je vais. Poser une question un peu gênante. Hein. Oui. C'est trop gênant, il faut me dire Cynthia. Je suis passée à travers le menu là. Mm-hmm. J'ai vu des noms comme les Sugar Daddyo, les Fufuno, les. Je te parle trop quoi. Oui, les noms, c'était pour rappeler un peu ce qu'on vendait. Hein. C'était des noms. En fait, il faut dire qu'on a quand même. On s'est arrangé pour que l'endroit soit quand même plus ou moins drôle. Okay. Donc ça passe aussi par la carte. Les gens déjà en voyant la carte, ils sont tout excités par l'idée de goûter peut-être un sugar daddy ou... attention, attention. Elle a dit goûter un sugar daddy. Voilà. Aïe, aïe, ça c'est chaud. Avant de
continuer la vidéo vite fait. Ceux qui sont à Cotonou ou visitent le Bénin, qui sont intéressés à venir, vous êtes situé où, à quel endroit? On est situé à Fidrosset, sur les pavés, en allant vers la plage. Ok, sur les pavés. Juste après la pharmacie La Madone et à côté de Etienne Connect. Voilà. Ok, super, super. Et une dernière question. Oui. Pourquoi vous avez décidé de mettre ce concept en place ici? C'était quoi l'objectif derrière? L'objectif, c'était pour décoincer un peu les gens. Hein. L'objectif, c'était de manger, de s'amuser en même temps. Okay. C'est-à-dire manger, pas que manger, manger et rigoler, puisqu'on a des jeux aussi. Manger entre amis, rigoler, en fait, se défouler quoi, en mangeant. Voilà. Ok, ok. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Cynthia. De rien. Elle est pressée, donc on a vraiment été chanceux de l'attraper et tout. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Merci. Hein, parce que le concept est original. Merci. Je n'ai jamais vu ça en Afrique. Merci. Believe me when I say that. So, congratulations. Félicitations encore pour tout. Et voilà, nous on continue avec la vidéo. On va laisser Cynthia partir. Okay. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone si les gens veulent appeler ici? Oui, oui, le 57 17 42 47. Ok, cool. Le Bénin, c'est plus 229. Plus de 329, 57, 17, 42, 47. Vous faites WhatsApp également? Oui, bien sûr, on est sur WhatsApp. Donc WhatsApp également, mais ne la harcelez pas, ok? Hello Bénin. Merci encore pour merci tout. Merci beaucoup. Les gars, c'est grave. On est en train d'attendre ce qu'on a commenté. Et voici Marie-Annie qui apporte ça. Bon, vous voyez la forme, vous comprenez c'est quoi. Et elle appelle ça la jouissance. Donc les mots là, ça fait peur. Et on veut déjà que je jouisse avant même que la nourriture soit arrivée. On va goûter, ok? Vous voulez qu'on goûte ensemble? C'est que c'est demandé oui. Et puis quoi encore? Ici, elle m'a fait la composition, donc grenadine, vodka, pastille. Vous savez que je ne bois pas. Mais juste pour honorer la boutique, on va boire ça. Mais on va pas boire ça en direct. On attend la nourriture, pardon. Je vais goûter, on va honorer. Moi, on n'en ça, même, on n'en pas à la caméra, s'il vous plaît, pas des enfants. Je sais qu'il y a des jeunes qui suivent la jeune, donc pas d'enfants. Parce qu'ils vont commencer à dire, mais maman, papa, qu'est-ce qui tient en main? C'est vous qui allez expliquer, hein? Parce que moi, je suis pas là-bas. Votre salon avec vous. Voilà ma nourriture qui arrive. Ah, suite. Bon. Elle m'a dit encore qu'on entendait bien. Oh là là, regardez cette forme. Et c'est pas petit, hein. Bon, quand c'est pas petit, il faut pas interpréter mal mes paroles. C'est pour dire que c'est beaucoup de nourriture à mettre dans la bouche. Ok, voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Voilà ce à quoi ça ressemble. L'année fois que je suis venue, j'ai pris Sugar Daddy. C'était un autre mélange de différents habillages. Ils ont mis du chocolat. Et autre chose, mais là j'ai l'impression qu'il y a du caramel, je vois du sucre roux. Et attendez, laissez-moi un peu soulever ça. Les abonnés de la chaîne, là, ne riez pas pour rire, hein. Je vous connais. Je vous connais trop, hein. Mes gars et mes gossures. Voilà. Et ça a l'air un peu solide, hein. Dis donc. Et ça bouge bien. Oh my god. Bon. Moi, je vais rester manger ça, ok? Pendant que je mange ça, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez du concept. Vous avez vu une des promotrices, Cynthia, présenter le concept. Ceux qui sont intéressés à venir ici, n'hésitez pas à venir. Franchement, accueil convivial, atmosphère superbe. Pour la nourriture, goûtez et dites-nous ce que vous pensez de la bouffe. Quant au concept, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que les Béninois vont me dire babader fort sous la chaîne, si là, sous la vidéo, si là. Mais c'est qu'il y a d'autres là qui sont moins complexés qui vont aussi venir parler sur la chaîne. Mais non, on va dire que donc tu veux dire que les Béninois sont complexés. Non. Je dis que mes collaborateurs et partenaires ici là, ils le sont. Parce qu'ils ne voulaient même pas que je fasse vidéo aussi. J'ai dit trop de vérité, n'est-ce pas? C'est la vérité, c'est la vérité. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires. Je vais prendre le temps de lire les commentaires cette fois-ci. Hein, les gars? Voilà, souhaitez-moi bon appétit. Moi, j'ai fini mon suite Bangala. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Peace out.